Alors, je m'appelle Arnaud, je suis adhérent du groupe d'entraide mutuelle depuis 9 ans, je crois, 9 ans, ouais. Voilà, j'étais victime d'un accident de la route en moto le 1er septembre 2007, 2017, 2007, pardon. Et j'ai eu un traumatisme crânien. Je me suis cassé le crâne, le nez, le menton. Et il a fallu que je, suite à tout ça, que je me, que je, j'ai passé 2 mois de coma, voilà. J'ai fait 2 mois de coma. C'est pas évident à gérer une fois qu'on se réveille. Et il a fallu que je me resociabilise, parce que dû à ce choc à la tête, j'avais peur des gens. J'étais pas du tout sociable. Le GEM m'a permis donc de me resociabiliser, de reprendre confiance en moi aussi. Voilà. Je sais pas quoi dire. Se sociabiliser, comme on dit. Sociabiliser, oui. Vous travaillez, vous avez pu reprendre le travail. Non, je peux pas. Je suis handicapé à 80% à vie. Mon corps ne peut pas être réparé puisque ça. Il est bien réparé déjà. Ça va, c'est déjà pas mal. Je botte encore un peu parce que j'ai mon talon d'Achille qui marche plus, enfin qui marche plus, qui refonctionne plus, vu que je marche pas bien. Et oui, quand j'ai eu un choc à la tête à droite, j'ai tout mon côté gauche qui bug un petit peu. Alors comment on fait, on ne peut plus travailler, donc comment on fait pour avoir des ressources, pour vivre, comment vous faites? C'est l'État qui me finance. Je touche le Pôle emploi, quand je suis chômeur. Je touche de l'argent de la CAF et de la MDPH. C'est ça, je crois. Oui, c'est ça. En fait, mes comptes sont gérés par mon père, qui était mon tuteur. Voilà. Et vous savez, est-ce que vous savez ce que vous avez comme argent tous les mois? Oui, ça oui, ça oui, ça oui. Ça j'arrive à le gérer, mais c'est très journalier, quoi. Vous savez ce que vous pouvez dépenser ou pas? Oui. Ça, vous avez arrivé à... J'arrive à le concevoir, ouais, ça. Suivant, mais j'ai un cahier de compte, hein, mais je gère pas ça au mois, je gère ça à la semaine, on va dire. Parce qu'au mois, ça fait trop gros. Vous avez des besoins? Beaucoup de besoins par rapport à l'argent, vous avez besoin de. Vous avez envie de dépenser des choses, d'acheter des choses, vous avez des envies. Mais j'ai mes frais pour manger. La base, On va dire les charges de la vie les charges de la quotidienne. vie, oui, ça c'est sûr. Les charges de la vie. Et si je veux faire des petits plus, ça c'est plus compliqué. Parce que c'est juste, c'est pas. C'est juste, c'est parce que votre papa fait très attention, ou c'est parce que vous n'avez pas. Non. C'est lui qui fait attention. Il surveille, C'est oui. lui qui Il surveille. surveille. Il faut que je fasse pas de cagade, comme il me dit. Donc quand il a besoin de faire un extra, il faut aller lui demander. Je vais voir son avis. Je vais prendre son avis. Parce que si je pourrais le faire de moi-même, vu qu'il n'est plus mon tuteur officiel. Mais il reste avec son œil bienveillant sur ma santé et ma vie. Donc ça vous rassure. En Oui. plus, c'est pas une contrainte, Non, non, du tout, du tout, du tout. ça vous aide. Ça m'aide beaucoup. Je ne serais pas là s'ils n'avaient pas été là. Et donc, vous avez quand même l'impression de temps en temps de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez. Vous aimeriez faire. Est-ce que des fois on vous dit, bah non, ça tu peux. Non, non, ça ne le fait pas. Et Des vous n'êtes fois, pas je content. Vous avez. des fois, je m'empêche, je m'empêche ouais, de faire certaines choses. À cause de l'argent? Oui. J'ai deux garçons, ouais. J'ai deux garçons de 5 ans et 7 ans qui vivent avec leur mère à présent. Mais il faut aussi venir. Alors, comment on dit? Subvenir. J'ai pas venir. Subvenir à leurs besoins. Ils ont besoin de choses. Vous voudriez Et leur leur acheter. faire des cadeaux et les verser de l'argent. Je verse un petit peu d'argent tous les mois à leur mère pour que c'est. Voilà. Donc tout ça l'un dans l'autre, ça fait pas mal d'argent à la fin du mois. C'est ça, voilà. Ah oui, je travaille pas, j'ai pas, voilà, j'ai pas de métier, enfin, j'ai pas de profession, Vous n'avez pas d'emploi. j'ai pas d'emploi, c'est ça. Par contre, je travaille. Hein. C'est dingue ça. Alors, vous dites que l'argent c'est difficile, vous travaillez beaucoup. Et Ben alors, vous faites quoi? je suis bénévole au groupe d'entraide mutuelle.
J'aide les animatrices. Je participe. J'ai été élu président. C'est ça qu'il fallait dire. C'est la deuxième année que je suis élu président. En fait, je représente. Comment dire? J'ai tellement reçu d'amour depuis mon accident de tout le monde, ma famille, mes amis, le GEM, que j'ai mis tout ça dans mon sac. Et mon sac, ben, il est plein d'amour. Et ben, je donne tout ce que j'ai, tout ce que je peux aux adhérents. Et ce don, c'est votre don de personne. Peut-être. On est plus dans l'argent, là. Non, voilà. C'est pas de l'argent, ça. Dans ton village. Dans mon village, ouais. Dans mon village. Dans mon village, je me suis inscrit dans l'association, c'est une asso, le comité d'animation, qui organise chaque année un festival pour les enfants. Alors je les aide comme je peux, j'ai pas non plus des grands bras, j'ai pas très costaud, mais je les aide comme je peux pour l'organisation, la mise en place des activités qui sont proposées. Finalement, dans les relations entre les gens, est-ce que l'argent, c'est très important? Ça manque ou finalement on peut s'en passer? Non, on a besoin d'argent. D'accord. C'est la vie, quoi. C'est sans argent, on peut pas avancer du tout. C'est même la cata, pour être précis. Mais ça n'empêche pas les relations humaines? Non, les relations humaines sont là. Elles sont là, les relations humaines. C'est quoi votre plus grande richesse? C'est l'amitié et l'amour. L'amitié, l'amour, je l'ai en famille, ça c'est sûr. Sans eux, je serais encore en chaise roulante après mon accident, je pense. Et l'amitié, je l'ai en venant au GEM, au groupe d'entraide mutuelle, où je me suis fait beaucoup de copains, d'amis. Enfin, des copains qui sont devenus des amis. Parce que les amis, c'est comme un frère, je peux leur faire confiance à ces gens-là, à tous, que ce soit les animateurs et les adhérents. Ils m'ont tendu la main. Alors moi, cette main, je l'attends aux autres maintenant, en étant le président. Voilà.